Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise, nous incarnons Enrico Dandolo et nous étions en plein sur la recherche réfrigération pour deux objectifs, un peu tout en fait ce que ça peut proposer, les sous-marins. Pour améliorer notre politique de la canonnière. Bon, les stades du bonheur, ça fait toujours du bien. L'hôtel plus de culture, ça fait toujours du bien. Ça fait plus de tourisme aussi, parce que là, je pense qu'on va se diriger petit à petit vers une victoire culturelle. Les plateformes offshore, parce qu'on n'a toujours pas de pétrole, parce que tout le pétrole est en mer, forcément, vu que c'est que de la mer, presque, la carte. J'aurais dû m'en douter. Et l'augmentation de la portée des routes commerciales maritimes. Ce qui fait qu'on pourra peut-être commercer enfin avec nos copains au Japon. Ce serait bienvenu. Parce qu'ils sont un peu dans la mouise. Ah. Tant qu'il n'y a pas de pirates, ça me va. Ouais, c'est vrai que Québec, là, les pauvres, ils ont un peu quelques problèmes de nourriture. Choisir un archéologue. On va aménager un monument. Bien évidemment. Et ouais, ça donne vraiment beaucoup de culture. La production de doctrine, plutôt pas mal, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'il y a déjà l'Angleterre qui influence un joueur. Ça doit être le Japon. L'Espagne, tu as fait payer un tribut à Riga. Très bien, je saurais m'en souvenir. Aussi. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. En technologie, après, on avait commencé l'électronique et on va finir l'électronique. Et qu'on aura les cuirassés, et là les cuirassés ça va barder. Barder un bon coup. C'était quoi? C'était état? Je veux dire un petit état ou un barbare? Je sais pas. Production de bibliothèque a commencé, alors on va voir. Ah oui, c'est vrai, on s'entend bien aussi à peu près. Ça passe avec Gandhi. Hop, direction Hong Kong. On a un nouvel archéo. On va pouvoir en refaire un. Où est-ce que je l'envoie lui? Pas comme mon barbare dans le coin là. Non, je me trompe. Ok. Bah, je vais l'envoyer là-bas. Là-bas, il y a des barbares, c'est pas bon. Ah oui. Attends. Elle est là. Elle est là, la case. On va acheter Bogota. On sait que ça m'arrange pas des masses tout ça. Qu'est-ce qui pourrait me donner de la science? Eux vont m'en donner plus de science qu'autre chose. Bogota. Oh, il y avait des corsaires. Intéressant. Et là, on lui coupe sa route, c'est parfait. On va quand même améliorer les corsaires, faut pas déconner. Est-ce que je peux? C'est bien des navires à vapeur, non? J'ai le doute. J'ai un doute d'un coup. On verra.
Je viens de voir, je suis pas mal d'argent à dépenser. Ouais, mais c'est vrai que je voulais faire des sous-marins. Non, ouais, je pense que j'avais décidé de le garder de côté, justement, l'argent pour faire des sous-marins. Ouais, on peut pas. On peut pas les améliorer. Bon, lui, par contre, effectivement, des piquets, je pense que je peux. Toi, tu vas vite aller là et exploiter le charbon. Le pétrole. Et ici, hop, on va se mettre en état d'alerte. Oh, marchand de Venise. Ah, il a été acheté avec la foi, lui. Je l'ai envoyé en Tananarivo. Ça, je peux pas l'envoyer en Tanana. Venir à se va, hé. Bouge tes fesses. Voilà. D'autres cases exploitables. Ah ouais, je vais piquer un petit morceau de terre, vraiment, juste pour dire. Ah oui, dedans, ce moment, je m'en fous. M'en fous, plus ratio, plus palu. Petite case de montagne. Ah, mais c'est le rocher de Gibraltar! Me dis, la montagne, elle est belle. C'est bizarre. Tu m'étonnes. Attendez, à Des chaque fois que cent je vais ma maisons, salive. entouré d'un millier de foyers, je me trouvais. Entouré d'un millier de tables, je dépérissais, manquant de nourriture. Ok. Bon, là, tu peux te mettre en état d'alerte. Ah, oui, tiens, j'en avais envoyé un aussi loin, là. Oh là là. Allez, fouille. Fouille, mon ami. Fouille. Elle est. Chronique 3 tours en plus. Bon, j'ai toujours pas la chimie, mais c'est pas grave. C'est d'ailleurs étrange. On y reviendra. Oui, je voulais améliorer mes liens avec Jérusalem. Je pouvais pas acheter de cité-état, lui, puisque c'est pas un marchand de Venise. Libre passage, avec grand plaisir. Ah! Je viens de me rappeler, j'ai pas fait. Est-ce qu'il fallait ici? Allez! Qu'est-ce que c'est que ce chantier là? Ouais, du barbare! Ouh, ils sont dissidents, non? C'est pas. Ouf, oui, dissidents! Avec un bonheur de moins 20. Alors pour leur faire du bien. Comment ça, les Celtes, ils ont réussi à influencer quelqu'un? Mais. Moi, toujours pas? C'est dégueulasse. Les 51 de tourisme. 51, monsieur. Comme le pastis. Je m'étonne du tourisme. Je vais acheter ça. Que je pourrais envoyer, qu'est-ce que. Ah, bien! On utilise le combat en attaque, hein, de toute façon. C'est un truc que je comprends pas, puissance de combat en unité navale. Bah oui, mais le truc c'est.
tous les cas, ça peut taper que des unités navales, non? Donc autant prendre le 25% et pas prendre le 15%. Je sais pas, j'ai peut-être dû louper un truc aussi, hein, c'est possible. Voyons voir. Elles sont copines avec moi, les cités d'État ici. Florence. Et Samarcande. Allez hop, je vais l'envoyer là-bas. Ouais, bon, pour l'instant, il peut pas. Ah, notre peuple achète désormais vos djinns et écoute votre musique pop. Ouais, la musique pop en 1900, 1908. T'inquiète. On jugule tranquillement ses problèmes de barbare, lui. Ça c'est bien. Non. Tu viens de me dénoncer et tu veux mes perles? Bah tu vas te les foutre dans le... Hein? Ok, on me dénonce, on s'en va. Mais par qui commencer? Ah, j'hésite. Je ne sais pas, j'ai tellement de choix. Tant de choix là, je ne sais pas par où commencer. J'aimerais bien commencer par Babylone. Ils ont plus que des villes côtières. Enchaîner sur les Celtes après. Moi, ils l'ont cherché en même temps. Genre je prends Babylone et je leur laisse 6 parts de gâteau. Oh merde! Et le pire c'est que ça me fait rire premier degré. Oh là là. J'ai beaucoup aimé. Excusez-moi, excusez-moi les Babyloniens. C'est pas contre vous. C'est nerveux. Merde, je l'avais envoyé où lui? Oui, il fallait que je l'envoie là-bas. Peut-être un peu trop zoomé. Ok. J'ai dit... Oui, voilà, je sais. Ce qui est magique, c'est que j'ai tout ce qu'il faut là. Hop, bonjour, bonjour, mission commerciale. 2400 d'or. Oh la vache. C'était pas prévu ça. Oh, ça m'arrange, genre. Je trouve ça énorme. Bon, tout le monde m'a dénoncé presque. Il n'y a pas eu encore l'Angleterre. Ben voilà, il n'y a pas eu encore l'Angleterre. Bon, forcément, il n'y a pas eu l'Angleterre, il n'y a pas eu le Japon, il n'y a pas eu l'Inde. Ah, il n'y a pas eu la Chine. Bon, ils m'ont peut-être déjà dénoncé sur la partie d'avant, c'est possible. Mais tout le reste, je crois que c'est fait. Satisfaite, satisfaite. Qu'est-ce que... Nabuchodonosor déclarait la guerre à Nobunaga Oda. Oda Nobunaga. Eh ben, t'inquiète, je vais bientôt me mêler de vos affaires, moi. Pas de problème. Ah. L'électronique de grande consommation est régie par une seule loi. Les produits sont de plus en plus puissants et de moins en moins chers. Sur la théorie. D'accord. En pratique. On va l'envoyer à Sidon, lui. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Et surtout.
Qu'est-ce qu'on va faire? Chimie, radio, radio, chimie, chimie, radio. Partir sur la radio. Chimie, pour l'instant, pas grand-chose à faire. Alors. On va voir. Démographie. 199 680. Sans souvenir, un peu moins de 200 000. J'ai pas de pétrole, Laissez-moi griller ma haine. Ah Voilà, je peux même pas acheter les gaz. Ah Là non plus. Du pétrole. Et même les cités-États, elles se foutent de moi, elles veulent pas m'en donner. Regarde, je suis allié pourtant, c'est pas déconnant. Elle les a pas, elle l'a pas exploité. Ah Je veux du pétrole. Ah, c'est terrible ça, mais c'est terrible. Je les ai cool, on va pouvoir s'amuser bientôt. Non. Non, on m'énerve. Bah. Tiens, c'est cadeau ça. Tu l'as pas exploité par hasard? Non. Ah là, c'est. C'est terrible. Madre de madre. Би мөгөөмөр занг байн гаргадаггүй. Non, tu m'as dénoncé, tu. Mere dost, kya is intezam Oui. mein aapki dilchasp? Bon, j'en ai rien à foutre du fer, mais. Il y a vraiment une porte de campement. Non, mais. Achever le Louvre, m'en fous. J'avais pas fait ce qu'il fallait en doctrine pour le. Pour le créer. Tu prends le charbon là? 3, 7, 3, tranquille, on a 13 là. Toujours pas de pétrole nulle part. Hein. On fait un tour au cas où, mais. Aïe 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 aïe. On a 4 et 4, mais. Nouvelle unité de Hanoï. Pollution d'un monument historique. Ah, on en est là. Ok. Zanzibar. Là, il y a beaucoup de cités-États. Est-ce que je peux être copain avec une ou deux? Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Ça me demande de les relier par une route commerciale. Ouais, une Gatling, moi. Hop, on va s'approcher là-bas. Je le fais un par un, je vais tranquille. Est-ce que tu exploites? Bonjour. Ah, c'est terrible ça. Bon, j'en ai encore d'exploitation. 7 tours. Wesh, ça fait beaucoup là, non? Would you be interested in a trade agreement with England? Ouais, file-moi ton argent, toi. On a combien? On a 4, faudrait que j'achète. Non. En vrai, faudrait que j'achète la cité-état plutôt que. Que d'envoyer. Non, m'en fous. Que de l'envoyer là-bas. Ouais, mais il est déjà arrivé. Tu veux vraiment pas grandir là, genre. Juste, quoi. Ils m'ont tous dénoncé et après ils sont tous au masse. Ouais, mais il a des bonnes ressources de luxe, quoi. Oula! Ouais, oui, il va vraiment falloir l'aider aussi, lui, un jour.
Ah, le salaud. C'est terrible. Bon. Non, les cités étaient là, c'est bon. Je pourrais aller là-bas. Ok. L'archéologue. Alors, voyons voir. Quoi là pour Modagesco. Non, Malaka. Si, Modagiscio, ouais, c'est ça. Où est-ce que je peux aller en récupérer une ruine antique? Un endroit où il y a eu, possiblement il y a pas de barbares, quoi. Voilà, ici. Mais attends, mais j'en ai ici? Mais. Je suis passé à côté. Oh, mais je suis aveugle, c'est pas possible ça. Bon, ici, on va créer un artefact. Mais trop loin pour la. Pour aménager. Pour avoir la case et l'aménager. Et qu'est-ce que soit-il? Ah, encore? Bien. Malaka? Non. Sydney, Milan. Sydney, allez hop. Et ici, voilà. On gagne de l'influence auprès de Sidon. En plus, elle n'a pas d'alliés. Donc bientôt, on l'aura influencé. Tour 502 quand même. Ah, j'ai pas acheté de sous-marin. Petite erreur de ma part. D'ailleurs, ça fait que mine de rien. On gagne en puissance, sans vraiment le vouloir. Mais... Votre commercial établi pour Mogadiscio. Commercial établi pour Sydney. Où est-ce que j'enverrai mon prochain? Sous-marin. Wittenberg. Oh, il est là-bas. C'est vrai qu'il est loin de tout en plus. Connexion établie. Ah oui, mais c'est normal. Hop, auto, alerte. Ici aussi. Ouais, enfin, enfin, j'ai réussi. Bon, on va plus en rester beaucoup. Hein. Là, on était à combien? On avait calculé 222. Bon, on a refait le calcul, hop, et hop. Je sais pas si elle a déjà refait le calcul. Non, ça l'a pas refait, je pense. Non, vu qu'il reste. Nouvelle conquête, Xi'an. Quoi? Bah, on va faire une ville fantoche. Ah, mais ils sont partis en. Ah oui, vague révolutionnaire, je suppose. Dissidente. Xi'an, l'empire chinois, s'est révolté et rejoint le Venise. Le Venise, ouais, le Venise. Ça va les missionnaires sinon? Non, tranquille. Vous êtes bien dans la mer, vous prenez un peu de large. Je comprends. Hein. C'est revigorant hein, ce qui paraît. Par contre, la ville rentre en résistance. C'est. Oh! 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 Oh, attendez! Ah, j'ai mis du temps à capter là! Mais. Il y a plus urgent. Combien? 7? 7 pétrole?
Mais merci beaucoup. Alors, on va acheter en urgence des ouvriers qu'on va envoyer ici pour exploiter, hein. Ah, je peux même exploiter du crabe. Hop, allez, bateau atelier. Oh là 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 là, mais bien sûr que je suis content. Bon les gars, en route, mauvaise troupe. Attends, quoi? Dorme une... Non mais... T'as que ça à foutre. C'est pas grave. Hop là. On va créer un chef-d'œuvre dans notre amphithéâtre. Non pas que je doute que la justice ne m'atteigne dès que le pouvoir suprême le voudra. Mais elle pourrait me surprendre dans mon sommeil, ou me saisir dans la fuite, ou s'emparer de moi par la force et par l'épée. Et alors, je serai privé du seul mérite que je puisse avoir, du mérite de mourir volontairement pour elle. Et profond. Profonde parole. Aménager un monument ici, c'est bon. Je n'ai pas acheté de... Voilà. Mere dost, kya is intezam mein aap dilchaspi? Corsair. C'est tout. Moi j'ai des sous-marins, monsieur. On vous coule par le fond. Sans que vous puissiez faire grand chose en plus. Oula, oula, il y avait des trucs là. Bonjour, bonjour. Je vais les mettre. Laisse-moi jouer ce que je veux, s'il te plaît. Déma ! En fait, faut. Là, no joke, là je fais état d'alerte. Donc A. Et je dois recliquer pour pas me barrer, quoi. Hop. Et. C'est, il veut pas me laisser jouer ce que je veux. Et ça c'est vraiment le truc chiant de jeu. C'est vraiment mal foutu. Attends, j'ai pas vu un... Non, ça on est parti l'exploiter. Je me souviens d'avoir vu un... Quelque chose. Ah oui, mais oui, c'est là. Pour l'archéologie, hop là. Ensuite... l'ouvrier, tu vas aller là, et le bateau atelier, tu vas aller ici. Voilà. Toi, je vais t'envoyer là-bas. Alors déjà. Voilà. Ici, hors de portée de la ville. Quand même. Pas déconner. Voyons voir, qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Bonheur local. Ou alors... Ah, c'est pas mal ça. On est en local, d'ailleurs. Oh, il est repassé à 8 habitants. Would you be interested in a non. Des chevaux. Non, des chevaux contre du marbre. S'il te plaît, respecte-moi.
cherche un protecteur. Intéressant tout ça. J'ai pas fait la promesse de les protéger. Ah, mais ils ont dû me déclarer la guerre une fois. Et du coup, ça retire automatiquement. Bonjour. C'est marrant, je peux aller plus loin là, encore pleine mer. Ah, intéressant. Une sorte de mécanisme qui fait que il est plus rapide sur les côtes que qu'en pleine mer lui. Moi je peux pas. Je vais aller là. Ah mais peut-être l'ouvrier qui allait qui arrivait sur la case là. Ouais bingo. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura eu deux objectifs, bien que ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Qui sont... c'était la réfrigération, la technologie réfrigération et la technologie électronique. On a enfin nos cuirassés. Oh, oh merde, oh, mais j'aime pas l'Espagne. Ouais, c'est pas grave. On a enfin nos cuirassés, on a trouvé notre première cible, Babylone, qui est en train d'attaquer le Japon. Donc on va pas les laisser faire, on va couler ces jolis petits navires, ces jolis petits frégates et ces jolies petites caravelles. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, c'était Thiob.